Alors, donc là, alors, on se retrouve, je crois, c'est la partie 5 de Batman. Alors, j'avais trouvé un truc de tyrolienne, et en fait, fallait juste aller sur l'espèce de bureau de l'autre sadique. Qui marche pas d'ailleurs. Tu as plus de chance d'entrer dans ce mouvement que Merde. d'entrer dans cette pièce. Allez, vas-y, essaie encore. Montre-moi que tu en veux. Comme tu peux le voir, je suis occupé. Passe un joyeux Noël. Il est occupé, le pingouin. Et puis elle me dit au revoir, les deux. Putain, quel rire de méchant. Essayez de trouver des informations sur un meurtre, les Sea Towers. On dirait que la police est sur la scène de crime actuellement. Oh, c'est très intéressant. Ils disent que la victime est Black Mask. Black Mask est mort. Je me rends tout de suite là-bas. Alors, Black Mask est mort. Ouais. Ah ah. Est-ce que je peux? Non, je ne peux pas. D'accord, c'est toujours bon à savoir. Alors, on va aller par là. Au niveau de la sortie, on peut peut-être trouver tout seul, je crois. Effectivement. Je crois que c'est par là. Ouais. Je pense que c'est par là. Et là. On dirait que je peux utiliser la griffe télécommandée. Exactement, c'est ce dont à quoi je pensais. Alors. Ouais. Demandez au GCPD d'aller fouiller le Final Offer amarré sur le quai Dixon. Ça va, ils s'en tirent bien. Ils trouveront Slade Wilson qui les attend, ficelé. Donc j'ai des trous dans ma cape, hein. Des trous de balles. Oh, encore un tuyau à l'ami. Très bien, monsieur. Pas de mauvais jeu de mots, hein, s'il vous plaît, les esprits durs. Pas ce que vous pensez. Alors. Citoyens opprimés de Gotham, vos appels à l'aide ont été entendus. Je suis Anarchy, la voix du peuple. Et je suis là pour vous sauver de la corruption qui infeste notre ville jadis fière. Ta gueule. Ceux qui ont été engagés et élus pour nous libérer ne lèvent pas le petit doigt. Pourquoi le prêt-il? Ils ont tous été achetés et encouragés à fermer les yeux. Anarchy, le roi du Kiki. Quand l'aube sera là, les causes de la ruine de Gotham seront éliminées. D'accord. Revenons maintenant à votre programme régulier de propagande et d'immondices consuméristes. Ouh. Comme s'il n'y avait pas assez d'action ce soir. Ouais, y a pas assez d'action ce soir. Je dois vite aller au Lacey Towers avant que la police détruise les preuves du crime que le pingouin m'a signalé. Ils sont si mauvais que ça, les flics. J'espérais pouvoir en parler un peu. J'ai une petite histoire à raconter. Ah, mais je m'en fous. Pleine de crimes et de violence, d'envie et de vengeance. Mais aussi une histoire de rédemption, de deuxième chance, de changement. J'ai placé trois bombes là où la corruption de Gotham est à son apogée. D'accord, c'est bien, Anarchiote. Je suis content. Coup de pied planant. Écoute. Oh. Qui c'est qui est en train de se faire massacrer? Et moi. Silence, je tape. Voilà, comme ça. Tout le monde a son petit compte. Vous êtes content, hein. Oh. Merde, ils m'ont vu. Allez, je me rends. Pour qui je travaille ? C'est pas les gars.
Voilà, ça j'aime bien ce contre. Touk dans les boules. Allez, on s'arrête pas plus longtemps. En direction de la tower, je sais pas quoi. Eh bien. Ça m'a l'air d'être là. Non, même pas. Non, il va s'arrêter là. Bon. En fait, il y a que des criminels dans Batman. Il y a aucun civil. Il y a que des méchants. On dirait que ça doit être là, je sais pas, ça m'a l'air bien. Bien hardos. Non. Ah non, c'est toujours par là. Moyen de locomotion un peu perspicace. C'est bien, je touche pas le sol hein, pour le moment. Elle est où ces tours? Ah ouais, ok, ça va, je commence à l'avoir. À toutes les unités disponibles, attendez plus d'infos sur une éventuelle mission. Allez, allez, allez. Les policiers qui enquêtent sur ce crime doivent avoir une station relais quelque part. Elle doit ressembler à une antenne. Elle est sûrement sur le toit. Allez, viens. Salut le SWAT. Ça va, il tombe pas. Batman fait jamais tomber quelqu'un du haut d'un toit. Jamais. Je le mets à jour. Rubio, quelle est ta situation? Je fume une clope sur le balcon avec Jiménez. Les types sur le balcon, ils sont peut-être mon billet d'entrée. Ceci est bouclé. Le pingouin a tué Black Mask et sa gonzesse. On a trouvé les petites empreintes de cet enfoiré juste à côté des corps. Ouais, on tient le pingouin. J'aimerais bien voir comment il va s'en sortir. Des empreintes, deux cadavres. Je crois qu'il est bon pour la tôle. Ouais, sauf que la scientifique va s'en attribuer le mérite. Et c'est moi qui ai trouvé les empreintes. C'est pour ça qu'on nous envoie d'abord. On peut se servir en premier, mais on n'a pas la gloire. Moi, je préfère me servir plutôt que je vais pas. Taisez-vous. Chut, chut, chut. Please, silence. Donc ça doit être là-dedans. Ils sont servis avec Ramirez et Velasquez. Alors, c'est où là? Slide. Slade. C'est là. À coup sûr, c'est là. Je savais. Je savais. Et là, ça va être une enquête. Enquête, là. La police pense que le pingouin a assassiné Black Mask. Mais pourquoi m'enverrait-il ici si c'était lui le tueur? Ça n'est pas logique. Scène de crime. C'est qui lui? Ça parle moins de Black Mask. Bon. Ce crime a eu lieu il y a quelques jours. Le feu et l'exposition aux éléments rendent l'identification des victimes difficile. D'accord. L'homme porte un masque noir, mais je ne peux pas savoir s'il s'agit bien de Roman Sionis sans analyse ADN. Je ne peux pas faire ça sur place. Ah, il y a un ange là-haut. Je peux identifier la victime féminine grâce à ses empreintes. Tiffany Ambrose, la petite amie de Roman Sionis, ou l'une d'entre elles. Ce n'était pas un ange, c'était une délinquante. Mais rien ne semble indiquer que c'était la cible. Ah. L'incendie s'est déclaré à cause d'un cocktail Molotov lancé dans la pièce. C'était sans doute dans le but de détruire l'épreuve. Ouais.
Mais encore... Roman Sionis. Ah. La trajectoire basse de la balle suggère que le tireur pourrait être quelqu'un de la taille du pingouin. Mais les marques sur le sol indiquent que la victime a été tuée par une personne enfoncée dans un fauteuil. Cette balle provient d'un revolver. L'analyse balistique indique un angle de trajectoire bas. Le tireur pourrait être quelqu'un de la taille du pingouin. Mais la trace laissée par la poudre semble indiquer que la balle a été tirée par quelqu'un qui était allongé sur le sol. Titan, il en sait des choses. Emplacement poitrine. Télébalèze Batman. Ces empreintes correspondent à celles du pingouin. Mais elles se trouvent par-dessus la suie. La police avait raison. Le pingouin était dans la pièce. Mais ses empreintes indiquent qu'il est arrivé après les meurtres. Alors, s'il n'a pas tué Black Mask... Qui ? Alors qui ? La seule chose dont je sois sûr, c'est que le tueur de Tiffany était allongé sur le sol. Pourquoi ? Pour faire son malin. C'est rien, moi. Ah, c'est cette là. Trace blanche, c'est du cirage. Donc on l'a traîné. Celui qui a tiré sur Tiffany s'est fait traîner sur le sol. En plus des victimes, il y avait deux autres personnes dans la pièce. Le tueur de Tiffany est la personne qui a traîné le tireur. Il faudrait que je découvre d'où est parti le tir qui a tué l'homme. De dehors. Ici, l'ADN n'appartient à aucune des victimes. À qui est-il ? Trace de bagarre. L'incendie s'est déclaré quand quelqu'un a surpris le tireur. J'ignore qui a remporté le combat. Ça peut être l'un comme l'autre. Je dois revoir les preuves pour tenter d'en apprendre plus sur l'intrus. Ou sur le tireur. Ouais. Là par contre, je sais pas quoi dire en bas tout. Là y'a rien. Pourtant la zone elle est là. Hein. Peut-être en avançant le truc. Ah ah, je vois dehors le truc. L'analyse du tissu indique que l'intrus portait un costume blanc ou une veste de sport. Cet échantillon de tissu devrait m'aider à identifier l'intrus, mais je n'arrive pas à identifier le tueur de l'homme. Il y a une zone d'impact que je n'ai pas encore analysée. Ah ouais? Cet ADN provient de la femme qui a été tuée. Le niveau d'oxydation suggère qu'il est là depuis plusieurs jours. Si j'analyse les preuves, je pourrais sans doute découvrir ce qu'elle faisait quand on l'a attaquée. Elle faisait la cuisine. C'est bon là ? Ah ! Oh là ! Non. Pourtant, hein, c'est là ? Non. Voilà. Y a pas un truc là. Non. Bon, je vais je vais accélérer jusqu'au bout, en espérant trouver quelque chose. Donc là, je suis au bout, donc y a rien, y a pas d'indice.
Merde. Désolé. Moi je pensais que c'était un truc par là qu'il fallait. Ouais, je pensais que c'était un truc dans ce genre là. Alors là, va savoir quoi. Ah, eh ben. Vous pouvez pas elle le trouver. Elle envoyait des messages à Roman Sionis au sujet de quelqu'un appelé le Joker. Quelqu'un a tué Black Mask, mais ce crime a eu lieu il y a plusieurs jours, alors que j'ai vu Black Mask dans la soirée. Les réponses que j'ai soulèvent d'autres questions. Qui est le Joker? C'est compliqué, hein. Est-ce lui le tueur? Ou fait-il partie des assassins? J'ai un cadavre, un tireur inconnu et un agresseur non identifié qui a attaqué le tireur. Je dois comparer les échantillons ADN avec ceux de la base de données nationale des criminels pour savoir qui était dans la pièce. Alfred, je dois accéder à la base de données nationale des criminels. La seule façon d'y accéder, c'est de réussir à s'introduire dans les locaux du GCPD. Alors c'est là que je vais. Monsieur, vous devez pirater leur serveur physiquement. Si vous voulez le faire, il vous faut une arme non létale très puissante. Je vous conseille de revenir ici pour prendre le détonateur à concussion. Bonne idée. Bon. Je peux pas passer par la fenêtre ? Ah non. Je suis Batman. Je prends l'ascenseur. Ah, y a des mecs et tout. Y a un mec en bouclier dehors. La prochaine fois, je prendrai les résistances du truc parce que. Oui, tu sais mettre des coups de cap, c'est joli. Laisse-moi tranquille, ok? Oh là. Je vais peut-être pas te laisser tranquille, mais... Voilà, tu es fait. Tranquille maintenant. Ah, voilà. 8-2, répondez 8-2. Centrale, Delta 4-4. Attendez 4-4. Delta 8-2, répondez. Delta 8-2, répondez. Delta 8-2, y'a pas des méchants là. Delta 4-4, pas de réponse de 8-2. Vous devez entrer pour confirmer le statut de 8-2. 6-4, centrale. Chauffer du slip. Merde, c'est des flics. Centrale 701, Batman repéré. M'en fous, j'ai eu celui qui avait le flingue. Ouais. Je crois pas moi, mais bon. Apparemment le SWAT aussi est vilain. Tant mieux. Vu ce qu'il dit sur moi. Tant pis. Voilà, voilà. Donc ça c'est fait mes petits loups. Donc bon, on va pas commencer trop trop l'autre truc. Je sais pas ce qu'il faut faire. Acquérir le détonateur. Ah ouais, concussion dans la Batcave. Déjà ça,
C'est typique les objectifs chiants, ça. Moi, je veux niquer Bane, moi. C'est tout. J'ai acheté le jeu que pour ça, moi. J'ai plusieurs appels disponibles. Je les envoie par ordre de priorité. Le... Ouais, ouais. C'est dommage qu'il tape dans le vent parce que l'efficacité de mes coups sont réduits. Ça fait pas des combos. Je peux t'expliquer. Ah, tu veux m'expliquer quoi? Voilà, c'est fait. Une bonne explication. Je saute et je ressaute. Voilà. Ah! Eh oh! Merde, c'est con! Ah, tant pis! Allez, tiens, viens-moi ici, toi. Voilà. Là, c'est joli. Bah, apparemment, le truc, c'est par là. Bon, bah, je peux pas y aller, je crois pas. Hein. Ah ouais, c'est vraiment un perpète, quoi. Ah, je savais pas que je pouvais faire ça. Je suis pas au bon endroit, par contre. Voilà. De toute façon, en ville, Batman va pas savoir ce qui lui arrive. Je crois pas qu'il ait déjà eu autant de pain sur la planche en même temps. N'oublie pas, Sioni. Non, bon. Voilà. Oh, je manquais à ça, hein. Je m'en suis rappelé. Bienvenue, messieurs. Le détonateur à concussion est sur le plan de travail. N'oubliez pas, si vous l'utilisez au lieu de vos points, vous ferez moins de dégâts sur les policiers et les employés de l'État. C'est noté. Tu parles, ce genre-là à foutre. Ah ouais, inventaire détenu. Bah écoutez, je vais prendre celle de Batman parce que j'ai pas le choix. Merci bien. Ah, c'est ses parents ça. Oh, le petit Bruce. Et un petit Zizi à cette époque. Ah oui, c'est le truc engelé ça. Ah, c'est pas mal, c'est efficace ça. Ça paralyse les mecs. Super. Enfin, je crois que c'est ça. Ça gèle instantanément le truc. Voilà. Mais écoutez, juste pour ce petit truc là, mes petits loups, on va se laisser là et puis on se donne rendez-vous après pour une autre petite vidéo, la continuité de l'histoire. Alors, ciao à tout le monde. Petit kissou à Liora et puis bah aux autres qui me connaissent, un petit coucou, un petit bisou par-ci par-là. Voilà. Bien joué, ah, monsieur. Je voulais pas lui parler. Arrêté l'électrocuteur en un seul coup. J'ai utilisé son arrogance à mon avantage. C'était tellement énorme qu'il aurait pu s'en sortir. Ouais, oui, d'accord. Mais je serais étonné que les autres tombent. Bon, allez, arrête, Alfred, tu me fais chier. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt, mes petits loups. Et puis, une autre vidéo. Et puis, merci pour le visionnage. J'espère que ça vous a plu et tout. Ciao.